Un bon repas face à la mer, un vrai plaisir pour les clients de chez Dédé. Cette pizzeria fait partie des bonnes adresses des Marseillais, mais peut-être plus pour très longtemps. Son propriétaire a reçu cet été un nouveau courrier de la préfecture lui demandant de quitter et même de détruire les lieux. Je perds tout, démolition à mes frais, pas indemnisé, avec trois enfants, tous les employés qui sont là depuis des années, on se retrouve tous au chômage, sans travail. Comme la Maronnaise récemment détruite, le restaurant est victime de la loi Littoral, l'État veut ainsi rendre au public certains espaces du bord de mer privatisés. Problème, de nombreux établissements peuvent ainsi être menacés de destruction totale ou partielle. La municipalité, elle, réclame plus de clémence dans l'application de cette loi, en particulier pour des établissements comme chez Dédé. C'est une activité économique qui crée de l'emploi et qui surtout crée de la présence sur cette plage et qui la sécurise, que ce soit dans la journée pour l'accueil des baigneurs, mais aussi dans la soirée, puisque là on a parfois des groupes qui sont moins appréciables que les baigneurs et qui sont beaucoup plus turbulents et parfois délinquants. Le propriétaire de chez Dédé attend dans les prochaines semaines une ultime décision de justice, un dernier recours pour éviter que sa pizzeria ne finisse comme la Maronnaise.